Salut à tous, aujourd'hui on vous emmène faire du fat bike sur le plateau Saint-Jean. On est avec Zoé, Valou, Manon et Jean-Pierre. C'est parti. Zoé, tu peux nous expliquer vite fait la différence avec un vélo normal et pourquoi le vélo est comme ça en fait? Alors donc le fat bike, comme on peut le voir, il a des pneus quand même qui sont un peu plus gros qu'un vélo classique. On est avec des pneus en 4.8, un peu plus gros, pour avoir on va dire une meilleure accroche sur la neige. Si on regarde, en fait ils sont, il n'y a pas beaucoup de pression à l'intérieur, il y a moins de 400 grammes de pression. Donc ça permet aux pneus de s'aplatir sur la neige et d'avoir meilleure motricité, on va dire. Zoé, toi tu loues les vélos et en même temps tu accompagnes les gens pendant la rando. Ouais, c'est tout à fait ça, Rémi. En fait, on a créé cette activité parce que ça se faisait pas dans les Alpes du Sud et en particulier dans le 06. Donc on a voulu créer un nouveau produit. Donc il y a la location du vélo, l'accompagnement. Je leur prête les casques, des gants et s'ils en ont besoin. Ouais. Et puis on part en rando. On a cadré un peu la chose parce qu'on évolue pas mal sur le domaine nordique et que c'est quand même régi par un arrêté municipal et tout. Le domaine nordique, je rappelle, c'est on est sous les pistes de ski de fond. Voilà, donc c'est autorisé uniquement encadré par un moniteur ou une monitrice de VTT. Ça permet de cadrer les gens, de leur faire découvrir le coin, de parler un peu de tout ce qui nous entoure. Assistance électrique, donc on peut avoir des gens sportifs qui font beaucoup de vélo comme des novices. Alors j'essaye de m'adapter, je m'adapte à leurs demandes, je leur explique bien, je les mets en confiance, tout ça.